Chers amis, on va commencer. Donc c'est l'avant-dernière séance avant les vacances de Noël, hein, puisqu'il y a une séance encore hein, en décembre. Je ne sais plus la date exacte, mais enfin c'est en décembre. Quelqu'un a la date, non? En décembre la prochaine, non? Le 10. Le 10? Le 10 décembre. C'est dans 15 jours en fait. C'est dans 15 jours. La dernière séance, après il y a une assez longue période sans rien. Et les deux séances que l'on va faire là, ou celle-ci et la prochaine, sont des séances difficiles, vraiment. On dit ça souvent, mais elles le sont vraiment, celles-là, parce que là, Lacan rentre dans les mathématiques, et pas de manière cool, quoi. Hein. C'est des mathématiques déjà de assez haut niveau. Hein. Donc, c'est pas très, très simple. Mais enfin, bon, ça demande du travail, quoi, voilà, c'est tout. Hein. Faut être concentré. Donc, j'essaierai de ne pas être trop obscur, hein, le moins possible, que vous ne décrochiez pas, et puis, mais on peut y arriver, on n'est pas obligé de faire non plus, c'est pas un cours de mathématiques non plus ici, hein, c'est pas un cours de mathématiques supérieures, hein, c'est un cours de psychanalyse, hein, c'est un enseignement concernant la psychanalyse, donc des mathématiques qui viennent s'y mêler, mais mon propos c'est pas de faire de la mathématique, d'ailleurs je ne suis pas mathématicien, hein. Donc voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi que Pascal Genot, ici présent, qui est psychologue clinicien, nous fera un historique de la psychanalyse à compter du mois de janvier. Un historique de la psychanalyse, hein, de Freud à maintenant. Et voilà. Donc c'est intéressant de voir un petit peu aussi dans quel contexte a évolué tout ça. Ont évolué Lacan, Freud et puis beaucoup d'autres. Il n'y a pas que eux. Hein. Enfin, c'est quand même ceux qui prévalent quand même, Lacan et Freud. Donc, on va attaquer le troisième chapitre. L'année passée, c'était au troisième chapitre qu'on s'était fait virer. Hein. Vous voyez, donc, comme quoi, il y a une espèce de victoire aujourd'hui, puisque on a passé le saut de la damnation, si vous voulez, quoi. Et donc, on n'est pas banni là à la troisième séance. Donc, c'est plutôt bon signe pour les suivantes. Enfin, j'espère. Donc, ce troisième chapitre du livre 19 de Jacques Lacan, dont le titre est « Ou pire », trois petits points, « Ou pire », s'intitule « De l'anecdote à la logique ». Alors, évidemment, ça, c'est un petit peu embêtant, parce que la logique, ça veut dire qu'il va en faire de la logique, quoi. Hein. Donc, d'en faire, de la logique, et puis voilà, donc on va rentrer là-dedans. Ça ne va pas nous simplifier la tâche, mais bon, je pense que ça ira quand même. Et de l'anecdote à la logique, c'est, pour ceux qui ont le livre, c'est de la page 39 à la page 48, et c'est en date du 12 janvier 1972, pour le contexte, 12 janvier 1972. Donc dans ce chapitre, il repart sur la question des formules de la sexuation. Donc, j'ai pris le parti de ne pas vous les réécrire au tableau. D'abord parce que vous ne voyez pas grand-chose, je crois, au tableau, premièrement. Quand j'écris quelque chose, vous ne voyez pas grand-chose. D'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis donc, je vais simplement écrire des choses succinctes, qui résument un petit peu, qui contrastent un petit peu, quoi. Mais de limite, par rapport au texte lui-même, pour qu'on ait quand même un petit peu de repère. Donc, vous savez que dans les formules de la sexuation, il avait mis d'un côté l'homme et de l'autre côté la femme. Voilà. Et il avait dit, chez l'homme, dans la mythique de l'histoire de l'humain, eh bien, chez l'homme, on dit qu'il y a eu un jour un père de la horde, un père qui menait une troupe de la pré-antiquité, de la préhistoire, qui avait donc accès, comme vous le savez, à toutes les femmes, hein, sans aucune restriction, à toutes les femmes. Après, on va voir que c'est nuancé chez Lacan, hein, cette histoire de toutes les femmes. Mais bon. D'ailleurs, il dit d'ailleurs, Lacan, il n'y a que là que les femmes sont toutes, T-O-U-T-E-S. À ce moment-là où le père de la horde avait accès à elles, toutes, il dit, il n'y a que là qu'elles sont toutes. Il n'y a que ce moment-là qu'elles sont toutes. À aucun autre moment, elles sont toutes. Elles ne sont toutes. Oui, c'est déjà très, très curieux, hein, comme remarque. Hein. Donc, alors,
Il avait assez à toutes ses femmes. Vous savez qu'il a été, il en a été puni, puisqu'il a été mis à mort par ses fils, qui ne supportaient pas ça, enfin, surtout qu'il était extrêmement jaloux. Il a été mis à mort par ses fils, et donc ses fils ont par la suite expié ce meurtre du père par l'érection d'un totem qu'ils ont vénéré, et puis la mise en place de lois qui régissent le groupe. Et ce groupe d'hommes, de fils, constitué par la faute du père, eh bien, est régi par les lois, notamment la loi de l'inceste. On ne doit pas être incestueux, entre autres. Hein, c'est pas, il n'y en a pas que ça, mais toutes les lois qui bornent un peu l'activité humaine, dite civilisée, entre guillemets, eh bien, les fils les ont mises en place. Et eux, du fait que ce père-là, donc, était... n'a pas connu la castration, n'a pas connu, le manque, eh bien, eux, au contraire, l'ont connu plein pot, le manque, puisqu'il écrit « quel que soit X, fille de X », ce qui veut dire que tous les hommes sont soumis à la castration. Tous les hommes sont soumis à la castration. Et pas à moitié, pas un peu seulement, ils le sont de manière radicale, soumis à la castration. Donc, ce qui est un petit peu nouveau par rapport au chapitre précédent, c'est qu'il dit qu'il était nécessaire, Lacan dit qu'il était nécessaire qu'il y ait un père de la horde qui ait eu accès à toutes les femmes et qui ait fauté pour que tous ses fils soient condamnés à la castration. Quel que soit X, fille de X. Voilà, moi j'ai dit de les écrire pas, mais bon, j'ai fait celle-là. C'était nécessaire. Pour que ce truc-là devienne possible. Pour que devienne possible la damnation des fils, si vous voulez, vis-à-vis de la castration, vis-à-vis du manque. Il était nécessaire qu'il y ait ce père de la horde. Ça, c'est nouveau dans le chapitre. C'était pas dit comme ça. Vous allez voir pourquoi il en parle, de cette horde nécessaire et de possible. Donc, ça devient possible au sens quasi mathématique. Hein. C'est ça, hein? C'est presque un postulat, quoi. Ici, il y a une espèce de démonstration. Ici, il y a un axiome, si vous voulez, quoi. Hein. Il y a un axiome qui est tout seul, mais il est suffisant. Il dit, il y a un homme qui a échappé à la castration, il s'est tapé toutes les femmes. Bon, ça a fait que ça a rendu possible, au sens mathématique du terme, hein, ça a rendu possible une espèce de théorème, si vous voulez, comme quoi, eh bien, tous ses fils sont condamnés à la castration. Parce que lui, il y a échappé. Voilà. Donc vous voyez que la formulation est déjà un petit peu différente de ce que j'ai énoncé jusqu'alors. Enfin, elle s'étoffe un peu, cette formulation. Alors du côté de la femme, c'est pareil, je n'écris pas les formules, mais il dit, chez la femme, ça commence par l'impossible. Pourquoi ? Par l'impossible. Ça, on l'avait pas encore dit. Hein. Ça commence par l'impossible parce que, il dit, il n'y a aucune femme qui échappe à la castration. J'écris pas la formule, hein. C'est pas la peine. Hein. Faut pas s'emmerder avec ça. Il n'y a aucune femme qui échappe à la castration. Il est plus simple, il n'existe X barré au-dessus et phi de X barré au-dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de femme qui puisse se soustraire à la castration. Elles y sont toutes soumises. Et ça, il dit, ça c'est du domaine de l'impossible. Effectivement, hein, une double négation comme ça, elle a quelque chose d'inattrapable, d'ingérable, d'impossible. Hein. Pourtant, elle est là. Et elle va servir aussi d'axiome pour la suite, en même temps, dans une démonstration que Lacan, empruntant des mots aux mathématiciens, et notamment aux mathématiciens Gödel, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, eh bien, que Lacan désigne d'indécidable. Autrement dit, absolument indémontrable. C'est indémontrable de dire que toutes les femmes sont soumises à la castration, où il n'y en a aucune qui y échappe, c'est pareil. Et donc du coup, quand même, il y a une petite ouverture, elles ne sont pas toutes soumises à la castration. Donc, barre le pas toutes, elles ne sont pas toutes soumises à la castration. Mais la démonstration de cela, elle n'est pas faisable, elle est indécidable. Hein. Elle est du registre du théorème de Gödel, qu'on abordera tout à l'heure. Elle est tout à fait indécidable.
Donc, du coup, bah, ça laisse un petit peu perplexe, mais enfin bon, on peut quand même s'en sortir avec ça, avec cette formule. Alors, il faut faire attention parce que il y a des ambiguïtés. Quand il écrit pas toutes, il écrit ça comme ça, pas toutes, avec un S. Ça voudrait dire que il y a des femmes, il y a des femmes qui sont soumises à la castration. Il y a quelques femmes qui sont soumises à la castration. Il y a quelques femmes qui sont soumises à la castration. Parce que là, ça dit toutes, en haut, c'est toutes sont soumises à la castration. En bas, ça voudrait dire il y a quelques femmes puisque c'est au pluriel. Mais en fait, ce n'est pas le sens que veut dire Lacan dans le pas toutes. Ce n'est pas ce sens-là qu'elle retient. Le sens qui est retenu par Lacan dans cette histoire de pas toutes, c'est que la femme n'est pas entièrement sujette à la castration. Voilà. Et ça, il le dit radicalement, hein, page 46. Vous pouvez le lire, hein, et je vais vous lire la phrase, d'ailleurs, je l'ai là. Il est réservé aux patoutes d'indiquer que la femme a quelque part rapport à la fonction de la castration et rien de plus. Oui, c'est radical, hein? C'est radical, je vous la répète la phrase, hein. Il est réservé aux patoutes d'indiquer que la femme a quelque part rapport à la fonction de la castration et rien de plus. Donc ça veut dire qu'elle a un rapport à la castration, mais qui peut être épisodique, ou en tout cas pas dans son entièreté. Pas dans son entièreté. Mais là, comme si elle avait autre chose à faire, si vous voulez, que s'occuper de la castration. C'est un peu ce que veut dire Lacan, hein. Et il dit bien, et rien de plus, hein, page 46. Parce que quand vous allez sur Internet et que vous voyez tous les exégètes de Lacan qui nous expliquent que le patout, ça pourrait être quelques femmes qui n'ont jamais tapé. Ben non, Lacan, il dit non, non, c'est pas ça. Il est réservé au patout d'indiquer que la femme a quelques femmes rapport à la fonction fille et rien de plus. Voilà, bon ben, moi je m'en tiens au texte, hein. J'ai pas de raison d'enrober ça avec des trucs, des suppositions autres. Non? Donc, du coup, on sait bien que du côté de la femme, il n'y a pas l'histoire mythologique d'une mère qui aurait fauté, parce que du côté de l'homme, il y a un père qui a fauté, hein, qui a fauté largement, jusqu'à en mourir. Mais du côté de la femme, il n'y a pas, dans la mythologie choisie, dans la mythologie retenue, il n'y a pas de mère fautive. Il n'y a pas de faute à expier. Et donc, il n'y a pas de loi de la mère. Parce que là, il y a une loi du père, une loi du père mort, hein. Pas une loi du père vivant, une loi du père mort, il y en a une pour l'homme. Mais là, il n'y a pas de loi de la mère. Et donc, on pourrait dire, alors ça c'est moi qui le dis comme ça pour faire comprendre, que la femme serait, en regard de la castration, quelque part sans foi ni loi, si vous voulez, d'une certaine façon. Sans foi ni loi, par rapport à ce qui n'est pas péjoratif, hein, du tout. Sans foi ni loi. Et qu'elles auraient une forme d'extériorité, de libre arbitre en regard de ce manque, du manque. Hein. Et que donc, leur regard sur la castration et sur la jouissance va être différent de celle de l'homme. Radicalement. Il y a une dissymétrie là qui s'opère radicalement. Elles ne sont pas toutes dans la castration, c'est ce que je vous dis. Pas toutes. Je veux dire, elles n'y sont pas en entier dans la castration. Ce n'est pas une histoire que quelques-unes y soient ou quelques-unes n'y soient pas. Ce n'est pas ça. Hein. La femme n'est pas soumise à la castration dans son entier de femme. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Lacan avait écrit le là. Ouais, pardon, la femme, il mettait un là comme ça et il le barrait. Pour dire que c'était pas. Ça ne veut pas dire que c'est une moitié de femme. Hein. Ça veut dire que la femme n'est pas toute. La femme n'est pas toute, en tout cas, en regard de la castration. Elle y est à sa façon, sans foi ni loi. Alors, après, on peut se poser la question de qu'en fait-elle de cette insoumission partielle, hein, puisqu'on peut dire que ça est une espèce d'insoumission partielle de la femme en regard de la castration. Qu'en fait-elle? Cela lui permet d'aller voir ailleurs, du côté de l'autre. Alors, du côté de l'autre impossible, c'est-à-dire du grand autre lacanien. Et le grand autre lacanien, c'est quelque chose qui est difficile à définir, mais je vais vous la définir de manière très simple. Et après, on ira un peu plus loin plus tard, mais pour aujourd'hui, ça ira très bien de le définir comme je vais vous le définir. Ça suffira largement avec les difficultés qu'il y a dans ce chapitre-là. L'autre, c'est la supposition d'un tout. C'est l'hypothèse d'un tout. Supposition d'un tout. Ou du tout, si vous voulez. Une totalité.
voilà, c'est merveilleux, une totalité, l'ensemble des énoncés, tous les signifiants, ce qui est quelque chose qui est absolument impossible à appréhender. L'autre avec un A majuscule, l'autre avec un A majuscule, c'est une hypothèse de tout, une supposition du tout. Et donc, la femme, comme elle n'est pas soumise à la castration, enfin en tout cas qu'elle y est de manière partielle, eh bien, elle a une possibilité d'approche de cet autre-là, mais évidemment partiellement. Parce que l'autre, on ne peut pas l'approcher, donc on écrit ça à barrer. Hein? Cette supposition du tout, la femme y a accès, pas l'homme. Pas l'homme. L'homme n'y a pas accès. Hein? L'homme n'y a pas accès parce qu'il est, pris totalement, lui, dans la castration. Et donc l'homme, lui, il n'a qu'une porte de sortie, qui d'ailleurs n'en est pas une, c'est le fantasme. Hein? C'est le fantasme. L'homme a un rapport lointain avec le tout par l'intermédiaire du fantasme. Le fantasme, ça s'écrit comme ça chez Lacan. C'est le rapport à un objet qu'on voudrait bien posséder, mais qu'on ne possède pas. C'est l'objet qui cause le désir, l'objet tita. Le S, barré, de l'homme, son rapport. Et donc, cet objet tita, le fantasme, chez l'homme, eh bien, sert d'objet écran à l'horreur de la castration, si vous voulez. À l'horreur de la castration, ça sert d'objet écran. C'est un masque. Et dans le fantasme, on a tous des fantasmes, hein. Enfin plus les hommes que les femmes, beaucoup plus. Hein. Et quand on met en action nos fantasmes, qu'est-ce que l'on fait? On met en action un écran qui nous oblitère la vue de l'horreur de la castration et de l'horreur du réel. Vous savez, le réel, c'est tout ce qui n'est pas nommé, hein, chez Lacan. C'est tout ce qui n'est pas nommé. Donc c'est quelque chose d'atroce, hein, finalement. Parce que c'est pas appréhensible, on n'en a aucune approche du réel, sauf au registre de l'impossible, c'est tout. Hein. Et donc, le fantasme vient faire bouchon là, pour l'homme, et lui évite, par stratagème, hein, le contact avec le réel, avec la castration définitive, si vous voulez. L'horreur de la castration, l'horreur du réel. Le réel qui est là, lui, hein, qui est planqué derrière l'objet écran. Le fétichisme, c'est ça. Hein. Les fétichistes, que ce soit des vêtements ou autres, ils utilisent des vêtements, par exemple, comme objet écran pour cacher la castration féminine, par exemple. Ce qui suppose la castration féminine, par défaut de l'organe qu'eux possèdent. Ils supposent posséder. Donc, du coup, elle, la femme, comme elle n'est pas dans la manipulation constante du fantasme, en tout cas beaucoup moins que l'homme, eh bien, elle se trouve confrontée à l'autre assez directement, mais avec un trou dans l'autre, parce que il n'y a pas de fantasme, donc il y a un trou dans l'autre dans lequel elle peut aller se loger, si vous voulez, aller voir du côté du trou, etc., de manière partielle. Et donc, sa jouissance a un caractère presque infini à la femme. On pourrait dire de la jouissance féminine qu'elle a un caractère infini parce qu'elle n'est pas bornée, comme chez l'homme, par la notion du fantasme et de l'objet écran. Et que là, il y a une possibilité d'un abord partiel de l'autre pour les femmes. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué, mais jusqu'à présent, c'est encore pas ce qui est le plus compliqué dans le chapitre. Hein. Loin s'en faut. Donc, alors, quand on dit l'autre est la supposition d'un tout, eh bien, donner un exemple, c'est facile. Dieu, hein, Dieu est un autre, avec un A majuscule, puisque Dieu est la supposition d'un tout. Hein, Dieu. Ou beaucoup d'autres choses. Hein, il y aurait certainement beaucoup d'autres exemples à donner. La science, il y a des gens qui ont une foi totale, si je puis dire, en la science, et qui la considèrent comme un objet fini. Comme un objet fini, qui a réponse à tout, hein, et qui est donc un tout en elle-même, la science. Donc c'est déifier la science, si vous voulez. On peut la déifier, l'avoir comme un tout, c'est rassurant aussi. Hein, on peut déifier ce qu'on veut. Un veau d'or, hein, il y a une époque, c'était le veau d'or, donc voilà, il a été déifié. Pourquoi pas, hein, c'est pas. Mais bon, ça fonctionne plus ou moins bien quand même. Hein, ça fonctionne plus ou moins bien. En tout cas,
ce qui ressort de cette première approche lacanienne dans ce chapitre-là, c'est que la jouissance féminine et la jouissance masculine ne s'organisent pas de la même façon en regard de la question de la castration. Ça ne s'organise pas de la même façon. Hein. C'est ça qu'il faut retenir en premier. Beaucoup de, encore, je parle des exégètes de Lacan, beaucoup d'exégètes de Lacan sont allés beaucoup trop loin dans cette question-là, beaucoup plus loin que Lacan lui-même, beaucoup plus loin que Lacan lui-même, qui sont devenus à moitié fous. Vous pouvez regarder sur Lacan, certains, il y a un type qui a, moi j'ai lu son exposé sur Au pire, enfin juste un chapitre, il ne s'est pas planqué de plus qu'un chapitre. Hein. Il part en plein délire, hein. Alors, franchement, ça, il est bon pour les neuroleptiques, mais bon, il faut se calmer quand même un peu, hein. Il faut se calmer un petit peu, hein, parce que Lacan, il raconte pas n'importe quoi, il a un discours, Lacan, hein. Il a un discours qui est formalisé, hein, qui est, voilà, hein, ça part pas dans tous les sens, comme ça, hein, c'est, donc, faire du sur Lacan, surtout dans le domaine des mathématiques, c'est vraiment très risqué, hein. Moi, je m'y risquerais pas, sûrement pas, plutôt du sous Lacan, hein, dans le domaine des mathématiques, parce que là, c'est vraiment pas très haut risque. Alors, On peut se demander pourquoi, après tout, on retient cette histoire de père de la horde, hein, pourquoi est-ce qu'on retient cette histoire de la mythologie, après tout, c'est pas obligé. On en fait un espèce d'axiome, vous savez, un axiome en mathématiques, c'est une espèce de prémisse qu'on considère comme vraie, hein, sans avoir à le démontrer. Sans avoir à le démontrer, c'est ça un axiome, hein, mathématiquement parlant. On peut dire que dans la mythologie, c'est bourré comme ça d'axiomes qu'on prend pour argent comptant, etc. Parce que pourquoi ? Ben parce que l'axiome, la mythologie, ça n'est pas rien moins que l'inconscient de tout un chacun. Hein. C'est notre inconscient. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, c'est la manière dont on arrive à intérioriser notre propre vie psychique et à la reprojeter à l'extérieur, sous des formes fantasmatiques, sous la forme du rêve, sous la forme de la mythologie, etc. C'est ça, hein, c'est comme ça que la mythologie, elle est comme ça, et elle est commune à tous, elle est commune à tous et à chacun. Et donc, on a tout à fait le droit de se servir dans la mythologie de tel ou tel mythe pour faire, pas pour élucider, mais pour étudier plus avant des questions comme celle-là, hein. Pourquoi Freud a appris l'art du père? Alors évidemment, cet imbécile de Michel Onfray a dit il n'a jamais existé le père de l'art et tout ça, c'est que cette connerie, etc. C'est vraiment une réponse d'imbécile, hein, parce que... D'ailleurs, son bouquin s'appelle « Le crépuscule d'une idole », hein. Vous savez, c'est quand il a écrit sur Freud, il a écrit « Le crépuscule d'une idole ». Et moi j'avais un titre à lui soumettre, hein, s'il me regarde un jour, c'est « Le crépuscule d'une idole et l'aube d'un crétin ». Il aurait pu mettre ça comme titre pour compléter son titre. Bon, d'un crétin. Parce qu'il est manifeste qu'il n'a pas lu Freud. Il n'a pas lu Freud. Vous savez, lire Freud, c'est toute une vie. Hein. C'est un travail de lire Freud. Il a lu des trucs sur Freud. Et évidemment, tout ce qui était négatif. Il a retenu que ce qui était négatif, bien sûr que Freud a fait des conneries. Il en a fait plein. Mais on les connaît, c'est des marronniers. Hein. On les connaît. Emma Eckstein, tout le monde connaît ça. Il a déconné avec une jeune fille. Bon. Qu'il a traité mal, je veux dire au sens figuratif du terme, il a fait beaucoup d'erreurs avec cette jeune fille, des erreurs assez graves, mais bon, qui peut prétendre, surtout que c'était la naissance de la psychanalyse quand même, hein. Freud, il était dans un domaine que lui exercissait avec sa lanterne, comme Diogène, hein, il avançait dans le noir, hein. Donc c'était pas simple. Et donc d'aller prendre simplement les choses négatives et puis les faire sédimenter comme ça, les empiler, toutes ces choses négatives de Freud et en faire un livre noir, c'est assez minable. Enfin, personnellement, c'est mon avis. Hein. Vous pouvez avoir un avis contraire. Hein. Vous pouvez trouver que le livre de Michel Onfray est tout à fait mal. Mais c'est typiquement le livre de quelqu'un qui n'a pas lu Freud. Hein. Et Jacques Lacan disait cette phrase qui peut paraître très vantarde. Il disait, Jacques Lacan, je suis celui qui a lu Freud. Il disait ça. Et parce qu'il l'avait vraiment lu en entier, Lacan, Freud, et en allemand. Je ne sais pas si vous voyez, mais toute l'œuvre de Freud, c'est-à-dire que Lacan, il n'y a pas une ligne de Freud qu'il ne connaissait pas. Donc lui, il aurait pu faire une critique de Freud, d'ailleurs il en fait quelquefois des critiques de Freud. Hein. Mais là, chez Onfray, ce n'est pas du tout ça. Hein. On voit que c'est des lectures qui ont été faites en diagonale, et puis c'est des lectures de lecture, etc. etc. Et puis c'est toujours cette espèce de ramassis de choses négatives qui ont existé chez Freud. Voilà. Alors,
Il se plaint que Freud ait demandé des sommes assez importantes pour la psychanalyse. Mais Freud, il avait comme clientèle des bourgeois viennois qui avaient de l'argent. Il n'y avait pas tellement d'argent qu'il ne leur demande pas d'argent. Hein. Freud n'était pas si riche que ça. Hein. D'ailleurs, quand il a voulu partir, émigrer, partir de l'Autriche à toute vitesse quand les Allemands sont arrivés, il était temps qu'il se barre, parce que c'est, déjà ses deux sœurs étaient quasiment dans les fours crématoires. Eh bien, il n'avait pas d'argent pour se barrer. Et s'il n'y avait pas eu Marie Bonaparte, une amie à lui qui était très très riche pour lui donner de l'argent, il aurait été dans les camps de concentration allemands, hein, évidemment. Hein. Donc, voilà, enfin bon, je ne vais pas parler de Michel Onfray pendant 25 ans. C'est pas tellement intéressant, mais surtout qu'à chaque fois qu'il apparaît à la télévision, c'est pour nous dire qu'il a créé une université populaire. Ça, on y a le droit à chaque fois. Il a droit à chaque fois. Je ne sais plus si c'est à Rouen ou à Caen. Hein, voilà. À Caen. Mais il l'a fermé récemment. Ah, il est fermé ? Ah oui. Récemment. Bon. Contact. Contact. Donc Freud n'a jamais prétendu qu'il énonçait des vérités. Hein. Et puis alors, il lui reproche d'avoir eu comme clientèle les bourgeoises de Vienne. Mais forcément, il habitait Vienne. Il n'habitait pas en Afrique, Freud, il habitait Vienne, donc il avait la bourgeoisie. En plus, c'était une théorie naissante, donc ça attirait évidemment les gens qui avaient un peu d'argent. C'est logique, tout ça. Donc il voit ça comme vraiment, c'était un voleur, un escroc, ce qui n'était pas du tout. Freud était un type extrêmement... Il travaillait tout le temps. Freud, jamais personne n'a travaillé autant que Freud, c'est monstrueux ce que ce monsieur travaillait. C'est fou. Il travaillait tout le temps, nuit et jour, il travaillait. Et il n'était pas si riche que ça, hein. Il avait un petit peu d'argent comme ça, mais c'était après une petite fortune, quoi, vraiment une petite fortune même. Hein. Donc moi c'est un livre que je n'aime pas, puis en plus qu'il a écrit Le Crépuscule d'une idole, mais Le Crépuscule d'une idole il n'arrive pas du tout. Hein. Le livre d'Onfray n'a pas fait que le Freud a chuté dans les bas-fonds. Hein. Ça n'a pas eu l'effet qu'il aurait souhaité, pas du tout. Hein. Si, peut-être lui le pense, mais dans la réalité non. Bref, alors, oui, alors pour vous donner un exemple de l'autre avec un A majuscule, un exemple un peu bateau hein, quand même, hein, mais c'est quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu m'aimes? Alors, quand on le dit comme ça, ça veut dire qu'on s'adresse à l'autre, au petit autre de l'altérité, hein, est-ce que tu m'aimes toi? Alors, l'autre répond oui ou non quoi, mais après, si on demande à la même personne, est-ce que tu m'aimes vraiment? Alors là, on s'adresse à l'autre, avec un A majuscule. Pour vous donner un petit exemple, pour éclaircir un petit peu la notion de tout, si vous voulez, la notion du tout. Est-ce que tu m'aimes vraiment, entièrement, tout? Est-ce que tu aimes tout moi? Hein? Tout moi, vraiment. C'est pas pareil, est-ce que tu m'aimes? C'est pas une chose, vous voyez, c'est une petite nuance amusante, comme ça. Et donc, sur la mythologie, ben voilà, on a retenu... que la mythologie, elle nous appartient, c'est un bien commun la mythologie, hein. Et que ce soit Édipe qui a tué son père, Oreste qui a tué sa mère, tout ce Bataclan là, c'est un bien commun et en même temps personnel, chacun en fait ce qu'il veut, etc. Et il n'est pas absurde de retenir le père de la Horde, comme il n'est pas absurde de retenir Édipe. Moi vous savez, dans ma pratique personnelle, avec les enfants, je suis bien content d'avoir les théories édipiennes, hein. Pour l'approche clinique et thérapeutique des enfants. On n'aurait pas ça, on serait complètement dans le potage. Hein. On serait totalement dans le potage si on n'avait pas ça. Donc, comment on ferait? Ce sont des repérages, si vous voulez. Ce ne sont pas des vérités. Mais vous savez, la mythologie, on peut dire qu'on y croit d'une certaine façon, parce que c'est nous hein, qui la créons, la mythologie. On y croit. Mais pourquoi est-ce qu'on y croit vraiment à cette mythologie? Pourquoi est-ce qu'on pourrait y croire vraiment? Eh bien, justement, parce qu'elle est incroyable. Et c'est ça qui fait que on a une attraction particulière pour cette partie de nous-mêmes qui est projetée à l'extérieur, c'est ça qu'on appelle la mythologie, parce qu'elle est incroyable. C'est ça qui fait que l'on y adhère, que l'on y croit. Bon, c'est un peu simpliste ce que je vous dis là, mais pas tant que ça. Mais pas que simpliste. Alors, Lacan arrive avec sa logique, là, il pose la question, y a-t-il une relation logique de l'inconscient aux valeurs sexuelles? Ben oui, parce que de toute façon, les formules de la sexuation, c'est ça, déjà. Hein, déjà. Les formules de la sexuation, c'est déjà une mise en termes logiques, mathématiques, de l'inconscient sexuel du sujet.
Donc oui, on peut répondre oui à cette question. Et il dit, c'est d'abord une affaire de langage. C'est d'abord une affaire de langage, et il dit, ou bien c'est lui, ou bien c'est elle. Hein? Donc pour arriver à cette espèce de combinatoire mathématique, ou bien c'est lui, ou bien c'est elle. Voilà, ça c'est une phrase importante quand même chez Lacan, hein? Ou bien c'est lui, ou bien c'est elle. Parce que c'est lui qui dit ça, hein? C'est Lacan qui dit ça, ou bien c'est lui, ou bien c'est elle. Pour marquer un peu les esprits. Alors, après ça, il dit, il tempère, il dit, ceci dit, l'homme et la femme, nous ne savons pas ce que c'est. L'homme et la femme, nous ne savons pas ce que c'est. Lacan, il avait des méconnaissances qu'il avérait, qu'il prenait comme nécessaires, si vous voulez. Hein. L'homme et la femme, on ne sait pas ce que c'est. Alors évidemment, c'est toujours, il y a toujours une petite forme d'outrance chez Lacan. Hein. Les formules sont toujours un petit peu fortes, mais c'est pour pouvoir donner de l'élan à la réflexion. Hein. Ça donne de l'élan. Ou bien c'est lui, ou bien c'est elle. Déjà, c'est une phrase forte. Hein. C'est une phrase forte. Et nous, l'homme et la femme ne savent pas ce que c'est. Eh bien voilà, ça aussi, ça titille, ça interroge quand même. Hein. C'est plus intéressant que de le définir de manière anatomique, l'homme par exemple ou la femme, de le définir de manière anatomique, physiologique, biologique, par ses maladies, par sa vie sociale, etc. Donc voilà, on peut arriver comme ça, de manière axiomatique là aussi, à définir l'homme et la femme, mais c'est plus intéressant de dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Hein. Je vous avais dit la dernière fois que Lacan avait dit dans le séminaire, je ne sais plus lequel, je crois que c'est l'envers de la psychanalyse, il est urgent de ne pas comprendre. Hein. Il est urgent de ne pas comprendre. Parce que ça l'énervait que les gens comprennent de trop. Et parce qu'il se disait, ben, si on comprend trop, il n'y a plus de réflexion. Il n'y a plus aucune réflexion possible. Si on est sûr de comprendre trop, la réflexion s'éteint. Donc il est urgent de ne pas comprendre. Et c'est là qu'il avait ajouté cette phrase, vous vous souvenez, cessez d'aller ramasser les pommes sous le pommier. C'est peu joli comme phrase. Cessez d'aller ramasser les pommes sous le pommier. Alors, il dit une phrase là, qui est belle là aussi, et puis qui est tout à fait étonnante. Il dit, le monde est perçu par nous, hein, par nous. Le monde est perçu, voire aperçu, comme à la place de l'autre valeur sexuelle. Donc, ce qui veut dire que on a tendance, et réfléchissez pour vous-même, vous allez voir que c'est vrai ce qu'il dit là, Lacan. Hein. C'est vrai. C'est étonnamment vrai. Hein. C'est que quand on est sujet, par exemple, si on est un sujet homme, et là, c'est l'œil de l'homme. C'est l'œil de l'homme. Et puis on regarde la femme, on regarde le monde, et en fait, on n'est pas loin de considérer que le monde qui est l'extériorité de nous-mêmes, qui est notre extérieur radical, ça n'est pas autre chose, ça n'est rien d'autre que la femme. On regarde le monde, et c'est la valeur sexuelle de la femme que l'on regarde quand l'on regarde le monde, que l'on aperçoit. Ou que l'on pense apercevoir quand on regarde le monde. N'essayez pas de me dire le contraire, les hommes. Hein. Mais pour la femme, c'est un peu la même chose aussi, bien que ce soit un peu nuancé du fait de ce qu'on a dit par rapport au désir féminin et au désir masculin. Mais pourtant, Lacan, là, fait une espèce de symétrie en disant que du côté de l'homme comme du côté de la femme, ce que l'on aperçoit du monde, c'est la valeur sexuelle de l'autre qui nous est du sexe opposé. Comme disait Guy Béard. Donc voilà. Donc c'est assez joli cette formulation-là. Hein. Il y a une poésie là-dedans quand même aussi. Hein. C'est pas que psychanalytique. C'est aussi une espèce de poésie psychanalytique. Mais il dit, c'est très bien de pouvoir dire que l'on regarde comme ça le monde du côté de la valeur du sexe opposé, etc. Homme, femme. Mais il dit, il y a un détour, c'est pas direct le regard comme ça, il y a une chicane. Il y a une chicane qui nous empoisonne un petit peu, qui nous empoisonne carrément. Et ce détour, cette chicane, c'est la castration, c'est ce qu'il appelle le défilé de la castration. Le défilé comme un couloir de la castration, hein, le défilé de la castration. Donc,
comme il y a ce défilé, évidemment, je vous ai écrit l'homme et la femme, donc on va se dire que le regard comme ça sur le monde opposé n'est pas direct. N'est pas direct. Donc ça, on peut l'effacer, cette flèche-là, et puis se dire que l'homme va regarder la femme en passant, en faisant un grand détour, hop, en faisant un grand détour par phi de X, la castration, le manque. Et la femme va faire de même pour regarder l'homme, elle va faire un grand détour, une grande chicane, en passant par phi de X, la castration. Même si, si c'est pas exactement sur le même mode, n'empêche qu'il n'y a pas un abord direct comme ça. Ça voudrait dire quoi d'ailleurs, un abord direct, hein, de l'être du sexe opposé? Je ne sais pas ce que ça voudrait dire. D'une certaine façon, par la complication de l'affaire, on y voit presque plus clair que si c'était direct. Hein? Parce qu'il y a un détour, il y a un détour par le manque. Du fait de nos manques, on n'a pas accès directement à l'autre sexué différemment que nous. Donc il dit, l'objet, la logique, c'est ce qui se produit de la nécessité d'un discours. Bon d'accord, mais il dit la logique peut changer de sens. Oui, la logique peut changer de sens, parce qu'on rentre maintenant un petit peu dans la logique. On y était déjà, hein, quand il dit ou bien c'est lui ou bien c'est elle, on est déjà dans une logique combinatoire déjà là. Hein, on est déjà dans une logique combinatoire, mathématique combinatoire. Puisque c'est l'un ou l'autre. Donc on peut faire des combinaisons, hein, bien sûr. Pas beaucoup, on va dire à deux. Mais, hein, c'est quand même combinatoire, même à deux. Au moins commutatoire, en tout cas. Au moins commutatoire, si ce n'est pas réellement combinatoire sur le plan strictement mathématique. Donc, il dit, la logique peut changer de sens. Ça, c'est important ce qu'il dit là. La logique peut changer de sens. Oui, hein, ça, c'est ce que je peux vous montrer très simplement. Hein. Si vous comptez les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. D'ailleurs, le petit etc., c'est marrant parce que Lacan, il a toujours des trucs, des trouvailles. Il dit, vous n'avez qu'à écrire sur un tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il dit, le 8 est déjà là, c'est pas la peine de l'écrire. Vous voyez, le 8 est déjà là. Donc, si j'écris le 8, eh bien, le 9 est déjà là. Le 9 est déjà là. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est pas ça, c'est qu'on peut aller dans ce sens-là, bien sûr, on peut aller dans ce sens-là, et c'est assez commode et assez confortable d'aller dans ce sens-là, parce que ça va vers l'infini. Ça va vers l'infini, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de bornage, hein, il n'y a pas de bornage. Donc, par contre, si on va dans l'autre sens, si on va dans l'autre sens, on arrive à 1 là, mais après 1, c'est quoi? Ah, c'est peut-être 0. Mais avant 0, c'est quoi? Ah, là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué parce que même les mathématiciens les plus armés se sont cassés les dents sur ces questions-là. Hein. Il y a une béance là, hein. Il y a une béance dans ce sens-là qu'on ne peut pas résoudre en fait. Hein. Qu'on ne peut pas résoudre et qui va nous amener à la question de l'impossible. La question de l'impossible. Donc vous voyez que quand Lacan dit la logique peut changer de sens, c'est pas une formule comme ça, la logique peut changer de sens, voilà, on comprend rien, ça veut rien dire, etc. Mais si, hein, 1, 3, 4, 5, 8, c'est pas pareil que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0, je sais pas. On va voir que Gödel, il répond un petit peu à ça, mais on va voir ça tout à l'heure. Alors, il parle d'un discours, il parle du discours naïf. C'est curieux, vous allez voir ce qu'il dit du discours qu'il appelle naïf, Lacan. Un discours naïf. Alors, si je réécris 1, 2, 3, 4, je réécris 1, 2, 3, 4, et je sens que le 5 est là, hein, mais je ne le mets pas. Mais le 5 y est, je ne le mets pas. Si j'écris 1, 2, 3, 4, c'est un discours, ça. C'est un discours. Peut-être que c'est un discours mathématique, peut-être arithmétique en tout cas, arithmétique, je veux bien, peu importe, c'est un discours, hein, 1, 2, 3, 4. Mais est-ce que ce discours-là est discours de lui-même? Si vous voulez, est-ce qu'il est discours de lui-même? Est-ce que ce discours-là peut se saisir de lui-même? Eh bien non, c'est rigoureusement pas possible. 1, 2, 3, 4 ne peut pas se saisir de lui-même. C'est pour ça que Lacan dit, il appelle ça un discours naïf. Un discours naïf qui est d'une certaine façon dans la vérité
Parce qu'on peut pas, il peut pas saisir de lui-même. C'est un discours. Parce que quand on parlait du métalangage la dernière fois, le métalangage pouvait saisir du langage. Le métalangage pouvait saisir. Le métalangage, c'est un langage sur le langage. Donc un métalangage peut saisir d'un langage de l'extérieur. Et donc, discourir sur un autre discours, il peut le faire, un métalangage, en supposant qu'un métalangage existe. Il y a d'abord, dans les mathématiques, on parle de méta-arithmétique. Donc ce serait de l'arithmétique qui peut discourir sur l'arithmétique. C'est possible. Mais là, si on parle de discours naïf, 1, 2, 3, 4 ne peut pas se saisir de lui-même comme discours. Il n'est pas sujet de son propre énonciation. Il n'est pas sujet de son propre énonciation, 1, 2, 3, 4. Donc c'est un discours naïf. Voilà ce qu'il veut dire là-dedans. Alors, il parle des sophistes et tout ça, de Platon, oui, parce que les sophistes, vous savez, c'est des beaux parleurs, les beaux parleurs de la Grèce antique, qui démontraient des choses comme ça, mais sans trop s'embarrasser justement de démonstrations. C'était plutôt la beauté de leur prosodie, l'élégance de leur dialectique, qui faisait qu'on pouvait adhérer ou non à leur avancée, si vous voulez, avancée sémantique. C'était la classe, si vous voulez, quoi, la classe de leur discours qu'ils pouvaient faire. Mais du coup, Platon les avait beaucoup critiqués. Platon les avait beaucoup critiqués, les sophistes, en disant, ben, ceux-là, de toute façon, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est à viser l'acquiescement de l'auditoire, quoi, si vous voulez. Faire croire à l'auditoire que ce qu'ils disent, c'est vrai. Les sophistes, ça sert, ils ne font que ça. Donc leur discours n'a aucun intérêt. Le discours des sophistes. Et il y avait un exemple de ça, c'est que Platon avait dit un jour, l'homme, c'est un bipède sans plume. C'est assez connu comme forme de phrase de Platon. L'homme est un bipède sans plume. Et donc, il y avait Diogène. Diogène était tout à fait anti-Platon, ou anti-Platon. Tout à fait, il n'aimait pas du tout Platon. Et Diogène, vous savez, c'était un philosophe dénué, qui vivait dans le dénuement, dans un tonneau, etc. Qui se promenait dans la ville de la nuit avec une lanterne en disant « je cherche un homme ». Et comme Platon lui avait dit « l'homme est un bipède sans plume », eh bien, Diogène, il avait plumé un poulet, et puis il l'avait jeté à Platon, il avait dit, voilà l'homme, c'est ça l'homme. Pour dire à Platon, ben, tu vois la connerie de ton raisonnement, tu vois, puisque c'est ça l'homme, ben, tiens, voilà, donc c'est un poulet fumé. C'était pas con, Donc finalement, d'une certaine façon, là, Platon était plutôt un peu un sophiste, il diffusait des beaux discours, voilà, ça pouvait plaire d'entendre, de dire, ça pouvait plaire à un auditoire de dire, ah oh, c'est un bipède sans plume, ah ouais, c'est marrant comme formule et tout ça, c'est un bipède sans plume. Mais quand l'autre, tu balances un bipède sans plume, tu dis, c'est l'homme, ah oh, merde, et ça ne colle plus là. Donc, alors, il dit quand même que les sophistes, c'est-à-dire ceux qui sont uniquement dans le beau parler, si vous voulez, sont quand même à l'origine de toute la dialectique. Pourquoi? Parce que un sophiste, il peut énoncer tout et son contraire, puisque ce n'est pas la vérité qui l'intéresse, le sophiste. Ce n'est pas la vérité, c'est l'élégance de son discours, c'est tout, et la séduction qu'il va pouvoir opérer sur son auditoire, et éventuellement la persuasion qu'il va pouvoir entraîner sur son auditoire. Et donc, du coup, si le sophiste peut arriver à séduire son auditoire sur tout et n'importe quoi, il va y avoir certaines opinions ou un certain savoir et un autre qui pourrait lui être contraire venant d'un sophiste. C'est logique, puisqu'il peut dire tout et son contraire, ou le démontrer en tout cas, de par l'élégance de son phrasé, de sa prosodie. Et le côté savant de sa prosodie aussi, bien sûr. Un peu comme un avocat, si vous voulez, quoi, finalement. Un bon avocat, finalement, arrive à convaincre un auditoire comme un sophiste. Un très bon avocat, Moretti, par exemple, qu'on voit tout le temps à la télévision en ce moment, eh bien, c'est un avocat qui est un sophiste, d'une certaine façon. Mais je ne blâme pas, je ne dis pas en disant ça. C'est un sophiste. Mais n'empêche que c'est quand même un peu triste que
des avocats qui coûtent extrêmement cher aux personnes qui les prennent comme avocats, soient obligés de convaincre par le beau langage, par la beauté de leur gestuelle dialectique. C'est ça, il y a un peu d'injustice là-dedans, parce que d'abord, ils coûtent extrêmement cher, et donc les gens sont défendus par du beau langage quand ils ont beaucoup d'argent. Sinon, ils sont défendus par des avocats bas de gamme, qui sont commis d'office, et on n'est pas dans les mêmes mondes. Et leurs chances de s'en sortir sont moindres. Ah oui, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, le sophisme et les sophistes sont quand même à l'origine, si on peut dire, peut-être, de la dialectique, puisqu'ils énoncent des choses et puis éventuellement peuvent défendre le contraire. Ben oui, un avocat, il peut défendre un jour un type qui a fait ça et puis défendre un autre jour un type qui a fait quelque chose de complètement différent ou le contraire à ce qu'a fait le premier, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est possible, et donc la dialectique peut s'instaurer là-dedans. Alors après, il aborde un petit peu la question de Gödel, du mathématicien Gödel. Alors Gödel, c'était un drôle de type. Gödel, il s'appelait Kurt Gödel. Bon, je ne sais plus en quelle année il est né, il est mort dans les années 70. Voilà. C'était un Autrichien, il était philosophe, mathématicien. Et il était bardé de diplômes, c'était un type d'une intelligence foudroyante, Kurt Gödel, et il avait des doctorats en pagaille, aussi bien en philosophie qu'en mathématiques, etc. Il était transcendant, quoi. Mais il n'était pas sûr de lui. On l'appelait Monsieur Pourquoi. Parce qu'il posait, il demandait toujours, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Et alors, au début de la guerre, quand les Allemands ont annexé l'Autriche, il était autrichien, donc il a été obligé de partir, comme Freud un peu. Il a été obligé de partir, donc il s'est exilé aux États-Unis. Il est parti à temps, il n'a pas été brûlé. Il est parti aux États-Unis. Et quand il est arrivé aux États-Unis, comme tous les migrants et les émigrants qui arrivent aux États-Unis, il faut qu'ils passent une espèce d'examen, si vous voulez, de passage, pour montrer qu'ils vont être de bons citoyens américains, qui vont adopter la convention américaine, pas la convention, la convention, ça déjà... La constitution. Pardon ? Oui, le mode de vie, mais c'est pas ce que je voulais dire. La constitution, voilà, merci. J'ai cherché le mot constitution. Oui, des mots simples qui échappent comme ça. La constitution américaine. Et or, Gödel, qui était le grand pote d'Einstein, c'était le meilleur ami d'Einstein, ils étaient toujours ensemble, c'était des compères, Einstein et Gödel. Et donc, il devait passer l'examen, Gödel. L'examen devant tout un jury pour montrer qu'il allait être un bon Américain, au titre de le Way of Life et au titre de la Constitution. Et donc, il dit à Einstein, mais tu sais, j'ai lu la Constitution en entier américaine, ce qui n'est pas rien. Mais pour lui, c'était pas trop compliqué parce qu'il était tellement rapide qu'il avait lu ça en entier. Et je peux t'assurer que dans la Constitution, il y a un axiome qui ne tient pas la route. Et si cet axiome-là, on s'en sert bien, on peut démonter toute la Constitution américaine et faire en sorte que la Constitution américaine apparaisse comme une dictature. Et c'était pas con, et c'était pas faux, c'était pas faux son truc, c'était pas faux. Et ça a été démonté par la suite. Mais Einstein m'a dit, arrête, déconne pas, si tu racontes ça à la commission, tu vas pas être pris, t'es fou, arrête. Mais c'est vrai, il lui a dit vraiment, ne fais pas ça, etc. Et bien il l'a fait, ce con-là, il l'a fait. Mais il a eu de la chance quand même, parce que le jury a passé l'éponge, parce que c'était un mathématicien tellement brillant, tellement doué, qui apportait manifestement tellement de choses à l'Amérique, nouvelles, qu'on ne pouvait pas le renvoyer, on ne pouvait pas l'exclure, c'était pas possible, exclure Gödel, c'était impossible avec ce qu'il apportait. Donc il a été retenu. Alors après, il a produit des théorèmes qu'on va aborder succinctement et que Lacan retient. Si on les aborde, c'est parce que Lacan les utilise. Et puis après, il est mort misérablement, il est devenu hypochondriaque, paranoïaque. Et il a maigri, c'est devenu un squelette, puis il est mort. Dans les années 70, il me semble, dans les années 70 qu'il est mort, Kurt Gödel. Mais c'était un génie, un génie des mathématiques, à l'égal d'Einstein, on peut dire, à l'égal d'Einstein. Ouais, parce qu'il est moins connu, peut-être un peu moins connu, des mathématiciens, il est très connu.
Mais du grand public, il est moins connu que la figure d'Einstein, qui est elle, mise en avant tout le temps. Mais il n'était pas moins doué qu'Einstein, je ne pense pas. Donc, Gödel, alors je vous ai dit tout à l'heure que, du côté de la femme, dans les formules de la sexuation, il y avait quelque chose, on passait de l'impossible, c'est-à-dire de qu'aucune femme n'échappe à la castration, ce qui est quand même quelque chose de terrible, hein. C'est pas borné ça, c'est une espèce de totalité là, aucune femme, toutes les femmes sont soumises à la castration, donc ça, c'est un rapport avec l'impossible ça, même si on existe ça comme possible, ça a quand même un rapport avec l'impossible. Et donc, Lacan introduit quand même par la suite que donc, mais c'est pas dans son entier que la femme a à avoir avec la castration. Et il dit, on ne peut pas le démontrer. C'est indémontrable, c'est indécidable. Et ce terme indécidable, il vient de où ? Ben, il vient de Gödel. Hein. Et Gödel a émis deux théorèmes qui sont très très connus. Il n'a pas fait que ça, il a émis. Il a fait des constructions mathématiques monstrueuses toute sa vie. Moi, je n'en connais pas le milliardième. Mais ce qui est très connu de Gödel, c'est ces deux théorèmes. Il y en a un qui s'appelle le théorème d'incomplétude, et le deuxième qui s'appelle le théorème d'incohérence. Et le théorème d'incomplétude, si vous voulez, c'est que justement, alors, je vais revenir à la notion d'axiome. Je vais revenir à la notion d'axiome dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on veut faire une démonstration mathématique, une démonstration arithmétique, il faut partir de faits qui sont admis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'axiomes, pour partir d'axiomes qui sont admis sans démonstration. Sans démonstration, par exemple, un axiome comme tous les hommes sont mortels. Bon, ben on l'admet. Tous les hommes sont mortels, c'est relativement prouvé quand même. Hein. Donc, on n'a pas. On peut dire que c'est un axiome imprémis, si vous voulez, axiomatique, qu'on peut retenir, voilà. Il n'a pas besoin d'être démontré. Et puis après, on peut mettre d'autres axiomes, on peut en mettre plein d'autres. Hein. Enfin, suffisamment en tout cas, pour pouvoir faire une démonstration. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir faire une démonstration mathématique, il faut des axiomes. Il faut des axiomes. Pour pouvoir faire une démonstration mathématique, il faut un certain nombre d'axiomes, au départ, qui soient reconnus comme valables. Mais le problème, c'est que, alors, on fait une démonstration qui peut aboutir, par exemple, à un théorème. Hein. Un théorème, par exemple. Hein. Théorème de Pythagore, je ne sais pas quoi. Il faut le démontrer à partir d'axiomes, des préalables, des prémices. Hein. Et puis, on va arriver par démonstration au théorème. Alors, ce que dit Gödel, c'est que il y a une incomplétude. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est impossible, et parce qu'il est de toute façon certain qu'il y a tout un tas d'énoncés, qui ne sont pas démontrables. Et qui restent du domaine de l'indécidable. Alors ça, il le démontre mathématiquement avec des formules d'une complexité épouvantable. Je ne vais pas vous le faire, hein. C'est beaucoup trop compliqué, mais ce n'est pas la peine. On peut comprendre ça comme ça, par la parole, par le dire. Hein. Donc, indécidable. Alors, on retrouve cette notion d'indécidable, là je vous ai dit tout à l'heure, du côté de la femme, c'est-à-dire que l'axiome ici étant du registre de l'impossible, cet axiome-là, on ne va pas arriver à définir que pas toute la femme a affaire à la castration. On ne peut pas y arriver. Donc ça reste indécis, indécidable, cet axiome-là. Alors, il y a des mathématiciens, il y avait un mathématicien qui avait existé avant Gödel, qui s'appelait Hilbert. Hilbert, lui, il n'était pas peureux. Il s'était dit, après tout, on pourrait peut-être construire un monde axiomatique qui contiendrait tous les axiomes. Et comme ça, il n'y aurait pas d'indécidable, il n'y aurait pas de etc. On serait sûr d'énoncer des vérités à chaque fois. Hein, à chaque fois. Parce que tous les axiomes seraient réunis.
tous les actionnaires seraient réunis. Mais il s'est vite cassé les dents, hein, parce que réunir une somme d'actionnaires qui fasse un tout, c'est rigoureusement impossible. Je suis curieux, je suis quand même étonné qu'un mathématicien, parce que Hubert, c'est quand même un mathématicien d'assez haute volée, hein. Je suis étonné qu'il ait pu énoncer ça, hein, parce que c'est assez imbécile comme énoncé quand même, hein, de prétendre qu'on va pouvoir réunir dans sa besace tous les axiomes possibles et imaginables, et de cette façon, on pourra faire toutes les démonstrations que l'on veut, et il n'y aura plus rien d'indécidable. Tout sera décidable, hein, tout sera décidable, et démontré de manière parfaite. Et donc, tout sera démontrable du côté du vrai ou du faux d'ailleurs, ou du faux. Eh bien, ce que nous dit Lacan et ce que nous dit Gödel, c'est que le vrai ou le faux, eh bien justement, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas dans la réalité, même mathématique, on retrouve seulement l'indécidable, mais pas le vrai ou le faux. Le vrai ou le faux, dehors, on ne peut pas. D'ailleurs, c'est Lacan, je vous ai dit cette phrase 100 000 fois, mais c'est Lacan qui disait toujours, je dis toujours la vérité, mais pas toute. Je dis toujours la vérité, mais pas toute. Parce que tout, on ne peut pas. Eh bien oui, ben c'est ça. Hein. Il avait déjà compris qu'on ne peut pas rassembler tous les hypothétiques axiomes d'un tout pour arriver à une démonstration qui va vers le vrai, vers la vérité, ou le contraire de la vérité. Parce que c'est pareil. Le vrai ou le contraire de la vérité, quand elle est affirmée, quand c'est affirmé, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, alors j'avais écrit ça, Lacan parle de Gödel, car il y a de l'indécidable, des énoncés non démontrables, des énoncés qui ne sont pas démontrables, hein, dès lors que l'on a affaire au réel. Ben oui, hein, dès lors que l'on a affaire au réel. Donc vous voyez, ça rejoint la psychanalyse, hein, ça rejoint la psychanalyse, parce que le réel, c'est ce qui n'est pas nommé. Le réel, c'est ce qui n'est pas nommé. Et donc l'indécidable, ça a à voir avec le réel, lacanien. L'indécidable. L'indécidable de Gödel, ça a à voir avec le réel lacanien. Comment vous allez? Je vous parlais tout à l'heure du fantasme chez l'homme. Je vous parlais tout à l'heure du fantasme chez l'homme, avec l'objet écran, fétiche ou autre chose, peu importe. Il s'écrit S en relation, le sujet homme, en relation, poinçon, en relation avec l'objet de son désir qui n'est pas là, qui est absent, hein, mais qui cherche. L'objet cause son désir absent, mais que le sujet cherche. Et donc, quand le sujet va se retrouver face à son fantasme, c'est un objet écran, mais il va quand même être tenté de traverser cet écran, de percer ce masque-là, hein. Il va quand même être tenté, il va se retrouver au pied du réel, au pied de ce qui n'est pas nommé. Et ce que dit Lacan, il va se retrouver dans l'horreur du réel. Parce que ce qui n'est pas nommé, pour nous, c'est l'horreur. Effectivement, hein. C'est notre extériorité radicale. Si on voulait définir le réel, on pourrait dire c'est ce qui n'est pas nommé, bien entendu. Mais on pourrait dire aussi c'est toute notre extériorité. Et ben, essayez de réfléchir à ce que c'est que toute votre extériorité. Vous allez avoir le vertige, hein. Vous allez avoir le vertige ou la nausée assez rapidement. Si vous réfléchissez à ce que serait toute votre extériorité. C'est impossible, c'est impensable, hein. C'est indécidable. Et c'est le réel. Et donc, quand l'homme essaye de passer la barrière de son fantasme, le masque de son fantasme, eh bien, il se retrouve face au réel et à l'indécidable. Donc, vous voyez que la logique, là, la logique de Gödel rejoint les thèses, non pas les thèses lacaniennes, mais les propos lacaniens, les concepts lacaniens, hein, les concepts, les avancées de concepts, parce que chez Lacan, c'est toujours j'avance un concept, mais il peut être contredit par le concept suivant, etc. Chez Lacan, c'est tout le temps comme ça. Il se remet en question constamment, Jacques Lacan. Hein. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il était urgent de ne pas comprendre, d'ailleurs, hein, pour cette raison. Donc, je disais, Lacan parle de Gödel car il y a de l'indécidable des énoncés non démontrables dès lors que l'on a affaire au réel, notamment du côté du patout. Ben oui, du côté du patout, on a affaire au réel, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la femme n'étant pas entièrement soumise à la castration,
eh bien, elle peut se permettre d'aller voir du côté d'un tout inaccessible, bien sûr, donc on le barre. Hein. Et donc, elle a affaire, ben, au réel, elle a affaire à ce qui n'est pas nommé. Hein. Elle aussi. Mais elle y a affaire plus facilement que l'homme. Parce que l'homme, il est vraiment barré par son activité fantasmatique. Donc, vous voyez que là, il y a une différence qui est quand même notable, hein, qui est extrêmement importante entre la jouissance féminine et la jouissance masculine. Et après, Gödel, il parle de théorie cohérente ou pas cohérente. Alors, il dit, une théorie est cohérente si elle ne démontre pas tous ses énoncés. Ça peut paraître bizarre, ça, hein? Une théorie est cohérente si elle ne démontre pas tous ses énoncés. Mais non, c'est pas du tout bizarre, en fait. Une théorie est cohérente si elle a une cohésion, justement. Et si elle a une cohésion, ça veut dire qu'elle est fermée. Elle est fermée. C'est donc une espèce de démonstration fermée, cohérente. Elle est cohérente pour elle-même, mais elle n'est pas cohérente pour tout, évidemment. Et donc, elle ne peut pas tout démontrer. Donc, le cohérent ne peut pas tout démontrer. Ça n'est pas possible. Par contre, Gödel disait, à la limite, l'incohérent pourrait tout démontrer. L'incohérent pourrait tout démontrer, tout et n'importe quoi. Sauf que l'incohérent est vide de sens. Voilà, c'est ce qu'il disait. Donc je ne peux pas dire mieux que Gödel, hein, parce que je ne me risquerais pas à dire mieux que Gödel. L'incohérence est vide de sens, enfin, au sens mathématique du terme, hein, vide de sens. Donc on ne peut pas s'en servir pour faire des démonstrations. Alors, à propos de la cohérence, il dit, Gödel, une théorie cohérente ne démontre pas sa propre cohérence. Vous voyez, c'est des subtilités quasi psychanalytiques. Hein. Une théorie cohérente ne peut pas démontrer sa propre cohérence. Non, elle ne peut pas se démontrer elle-même. Donc c'est un écueil, ça, quand même. C'est un écueil. Hein. Et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se démontrer elle-même? Pourquoi est-ce qu'il y a cette théorie de la cohérence? Ben, toujours à cause du réel. Toujours à cause du réel, c'est-à-dire que l'ensemble de ce qui nous est pas, de ce qui n'est pas nommé, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. Donc comment voudriez-vous, pour qu'une théorie cohérente se démontre par elle-même, il faudrait qu'elle ait accès à tout ce qui... faudrait qu'elle puisse nommer tout ce qui n'est pas nommé. Voilà. Pour construire un métalangage de l'extérieur qui viendrait lui démontrer sa cohérence. Mais comme ça n'est pas le cas, la cohérence tourne en rond, si vous voulez, tourne en rond et ne peut pas se démontrer elle-même. De la même façon que quand je vous ai écrit tout à l'heure 1, 2, 3, 4, je vous ai dit que c'était un discours naïf qui n'est pas sujet de lui-même et qui ne peut pas se démontrer lui-même. 1, 2, 3, 4 ne va pas sortir du tableau là et venir nous dire je suis 1, 2, 3, 4. Hein. Je suis 1, 2, 3, 4 et je vous le prouve en étant 4. Ça ne va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Donc vous voyez que les théorèmes de Gödel, ils sont effroyablement complexes, mais on peut en parler comme ça de manière un peu sympathique aussi quand même, parce que voilà, ils sont sympas ces théorèmes-là. Ils sont sympas parce qu'ils ont mis à mal quand même toute la mathématique. Gödel, c'était vers 1920-1930 et tout ça, qu'il a produit tous ces théorèmes-là. Il a laissé perplexe le monde des mathématiciens autour de lui, hein, je peux vous dire. Hein. Ils en ont pris un sacré coup dans la gueule, hein, avec ces théorèmes d'incomplétude et de... Et d'incohérence. Ils ont ça pris un sacré coup, ça foutait en l'air toute leur assise de vérité supposée, quoi. Quelle heure est-il? Le temps passe vite. Hein. Alors, je vais pas vous faire, c'est pas cette page-là, c'est la page suivante. Je vais aller un petit peu plus vite. Là. Donc le réel, il en parle après, la castration, il en parle après. Oui, des choses curieuses, nous continuons d'imaginer la bipolarité sexuelle au niveau animal. C'est-à-dire que, oui, alors pour ce qui est de l'homme et la femme, la bipolarité sexuelle, ben non, hein, on ne l'admet pas. On ne l'admet pas, on dit qu'il y a une dissymétrie. Alors Lacan la démontre par des formules de la sexuation et par le défilé de la castration, d'accord, hein, on voit qu'il y a une asymétrie, là, une dissymétrie. Mais il dit quelque chose curieuse pour les animaux. Non, pour les animaux, non, on ne voit pas, il n'y a pas de symétrie. C'est symétrique, hein. Femelle, mâle, c'est symétrique, tout ça. On est content comme ça. Voilà, bon. Et il dit, on croit qu'il y a le sexe. Il dit ça. Alors, c'est assez rigolo ce qu'il dit là, Lacan.
on croit qu'il y a le sexe d'un côté, le sexe d'un côté, je mets un 1 là, il y a le sexe d'un côté, alors le sexe ça serait la vie, la mort, le désir, donc quelque chose de bien vif quoi, hein. Et puis il y aurait en 2 le soma, le corps, le soma. Et donc ici, il y aurait le corps en germe, il y aurait le germen, si vous voulez, il y aurait la graine ici, il y aurait la graine, le germen. Hein. C'est pas germen le prénom. Hein. Le germen, G-E-R-M-E-N. Donc, la vie, la mort, etc., c'est le germen. Et il serait assez naïf et facile de se dire qu'avec une espèce de prise électrique, on va brancher le soma sur le germen, et hop, c'est bon, ça passe. Hein. Et le germen va nous distribuer toutes ses valeurs en termes d'ADN, par exemple, hein, entre autres, hein, mais aussi toutes ses valeurs sexuelles, ses valeurs de sexuation, etc. Ça va donner comme ça tranquillement. Alors Lacan dit non, ça ne fonctionne pas comme ça, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une vision vraiment simpliste des choses. Parce que ça, c'est vraiment, c'est quasiment de l'électricité, si vous voulez, hein, quasiment l'électricité. On a un germen, on a des gamètes, et puis on sait que ça va potentiellement donner à un homme ou une femme, et donc le corps de l'homme et la femme qui va venir de ce germen, il suffit de brancher, et puis ça marche, ça fonctionne, ça clignote et ça fonctionne, quoi. Ça va jusqu'au bout, quoi. Alors, Lacan, il s'oppose à ça, et il dit, hors vie et mort, et je vous ai parlé de la vie et de la mort, ici, là, hein, dans la... du côté du sexe, hors vie et mort, il y a quelque chose de déjà vivant, le programme. Ça, c'est très lacanien et c'est pas si simple que ça. Il y a quelque chose de déjà vivant avant. Pourquoi dit-il que ça tient pas la route, hein, une espèce de branchement du corps, branchement électrique du corps sur le germen? Eh bien, c'est parce qu'avant, il y a déjà quelque chose qui nous code, qui nous surdétermine. On a déjà parlé de ça souvent, hein, qui nous surdétermine. Eh bien oui, hein, vous savez très bien que sur cette terre, nous n'appréhendons que quelques signifiants, que quelques symboles. Hein. Nous n'appréhendons pas beaucoup, hein, très peu, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Le reste nous échappe complètement. Mais le reste, on peut dire qu'il est là. Je ne dis même pas qu'il existe, hein, ce n'est pas le bon terme. Il est là, de tout temps. Il est là avant nous, il est là après nous. J'ai répété 100 milliards de fois qu'avant que vous naissiez, vous êtes déjà nommé. Hein, on vous donne un prénom alors que vous n'êtes pas né. Et puis quand vous êtes mort, vous avez votre nom sur votre tombe. Hein. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de perpétuation comme ça, une pérennité quasiment infinie du sujet par le code. Par le code. Parce qu'on peut considérer que le prénom, c'est un code. Le prénom donné avant la naissance, c'est un code, hein, un codage. Et puis que le nom écrit... épitaphe sur la tombe, le nom écrit sur la tombe, c'est un code aussi, hein, c'est un code. Et entre les deux, il y a une ligne de code. Et puis, avant le prénom d'avant la naissance, il est sûr qu'il y a d'autres codes. Et après le nom mis sur la pierre tombale, il y a d'autres codes encore. Hein. Donc, il y a une ligne de code infinie, hein, que Lacan appelle le symbolique. Il appelle ça le symbolique. Et c'est ce symbolique-là, c'est cette ligne de code, un petit peu comme on en parle en informatique, un peu d'une certaine façon, quoi, sauf que là, elle est infinie. Ben, cette ligne de code, et puis elle ne nous est pas accessible, hein, elle ne nous est pas accessible, en tout cas pas dans son entier, elle ne nous accessible que partiellement, cette ligne de code. C'est-à-dire qu'on est pris dans cette ligne de code quand on est. Quand on est, quand on arrive sur Terre, on est inséré dans cette ligne de code, et puis quand on meurt, on en sort. Voilà. Enfin, on en fait toujours plus ou moins partie, comme mort nommée sur la tombe, hein, encore. Mais plus de la même façon quand même, tout à fait. Donc, ça c'est important, cette histoire de symbolique, parce que pour Lacan, ça nous détermine. Et non seulement ça nous détermine, mais ça nous surdétermine. Ça nous surdétermine. Hein. Donc, on n'est pas, d'une certaine façon, si vous voulez, en psychanalyse lacanienne, le libre arbitre, c'est à prendre avec des pincettes. Il n'est pas sûr qu'on soit vraiment dans un libre arbitre effréné. Hein. Parce que ce codage-là, d'avant nous et d'après nous,
eh bien, il nous détermine et il nous surdétermine. Voilà, on ne peut pas y échapper. Donc voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Lacan avait dit quand il est mort, il a dit cette phrase que personne n'a compris, moi non plus d'ailleurs, je n'ai pas compris, mais il avait dit « je suis obstiné, je meurs ». Juste en mourant, il a dit ça. « Je suis obstiné », c'est une curieuse phrase, hein. « Je suis obstiné, je meurs ». Et peut-être que, peut-être, hein, je ne dis pas que c'est ça, je n'en sais rien. Et peut-être que justement, peut-être qu'il se disait qu'il allait rejoindre la ligne de codage symbolique. Et donc, avec obstination, il allait continuer à exister dans cette ligne de codage. Ce n'est qu'une hypothèse. Je ne vous la donne pas comme vérité. Surtout pas. Hein. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Alors, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de corriger, mais dans page 47 de votre livre, il y a des grosses erreurs de Jacques-Alain Miller concernant des formules qu'il écrit qui sont complètement fausses. Mais fausse, radicalement fausse, c'est n'importe quoi ce qu'il écrit. Comme quoi, il n'a pas lu au pire, hein. Il l'a transcrit, mais on peut très bien transcrire un livre et ne pas le lire. Hein. C'est tout à fait faisable. Hein. Et là, ça se voit, hein. Ça se voit. Il y a deux formules qui sont écrites, c'est n'importe quoi, page 47. Ça ne tient absolument pas le rôle. Ça n'a rien à voir avec le texte. Bon, je le corrigerai la prochaine fois, parce que la prochaine fois, c'est beaucoup de mathématiques. Je ne le fais pas aujourd'hui. Je voulais, pour vous détendre un tout petit peu de cette théorème de Gödel et tout ça, je vous passe, j'avais fait un petit résumé sur Aristote, mais Aristote il est barbant comme c'est pas perdu. Aristote il a voulu expliquer le monde dans son entier, hein, des insectes jusqu'à la mathématique en passant partout. Enfin, donc Aristote, si vous le lisez, notamment le livre de la métaphysique, vous risquez de vous endormir très vite. Hein. Comme somnifère, c'est puissant, hein. Très très puissant. Donc Freud, je vous avais dit la dernière fois que le refoulé revenait toujours sous la forme de l'écrit. Vous vous rappelez de ça, hein? On avait étudié la lettre d'Edgar Poe. Voilà. Alors, le petit texte que je vais vous lire de Freud ne répond pas exactement à ça, mais quand même un petit peu, quoi, un petit peu. Alors, c'est dans Études sur l'hystérie. Études sur l'hystérie de Freud, c'est une compilation certaines thérapies qu'il a faites de femmes, hein, de femmes de Vienne ou d'ailleurs, hein, d'Autriche. Voilà, celle qu'on fait, on n'a pas lu. Donc, la jeune fille au parapluie, c'est la jeune fille au parapluie. Pourquoi est-ce que je vous lis celui-là? Parce qu'il a un peu à faire avec ce qu'on raconte, d'une part, et parce qu'il est très court. Et donc, ça vous permettra comme ça de dire que vous avez lu un cas complet de Freud, hein, parce qu'il est très court. C'est très court, et ça se termine en queue de poisson. Et vous allez voir que Freud, justement, n'était pas un homme si sûr de lui, comme le dit Onfray, qui n'énonçait pas des vérités tout le temps, parce que là, ben, Freud, il reste complètement dans le potage par rapport à ce cas-là. Donc je vous le lis, et puis on aura terminé avec ça, parce que je ne vais pas le commenter, ce n'est pas la peine. Hein. C'est tellement bien écrit chez Freud, c'est tellement limpide, il n'y a pas besoin de commenter. Hein. Donc, il dit ça. « J'ai pu observer dans un autre cas qui m'a beaucoup impressionné ce même contraste intéressant entre l'opiniâtreté quand il s'agissait des symptômes et l'obéissance la plus poussée dans toutes les autres circonstances. C'est qu'en effet, les symptômes ont des racines profondes, inaccessibles à l'analyse. Je traitais depuis 5 mois, sans succès, une jeune fille bien douée et pleine de vivacité qui, depuis 18 mois, souffrait de troubles graves de la locomotion. » Cette malade avait de l'analgésie, c'est-à-dire des douleurs, hein, avec quelques points douloureux aux deux jambes, des tremblements rapides des mains, marchait à petits pas, courbée, avec de la raideur des jambes, en titubant, comme si elle était atteinte de troubles cérébelleux. Oui, c'est vrai, quand on a des troubles au niveau du cérébelleux, on peut avoir des troubles de la marche, entre autres, de la coordination. Elle tombait aussi assez souvent. La jeune fille montrait une bonne humeur surprenante. Trompé par ce symptôme, un éminent médecin viennois à l'époque avait diagnostiqué une sclérose en plaques. Un autre praticien reconnut qu'il s'agissait d'une hystérie, ce que confirmait la complexité du tableau clinique au début de la maladie. Douleur, évanouissement, amaurose. Amaurose, c'est une perte de vision. Hein. Donc, il m'amena la malade et je tentais d'améliorer sa démarche par suggestion hypnotique. Parce qu'à l'époque, il pratiquait encore l'hypnose. Il l'a abandonné. Hein. À un moment donné, il s'est rendu compte que l'hypnose, ça ne marchait pas. Ou que ça marchait, ça donnait des résultats qui ne tenaient pas. Hein. Il avait dit à son ami Fliss d'ailleurs, il faut que je dise un grand secret, j'abandonne ma méthode. J'abandonne ma méthode. Il était triste hein, de dire ça, mais voilà, il disait l'hypnose, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon.
où ça fonctionne, mais de manière pas. Donc, par suggestion hypnotique, traitement des jambes pendant l'hypnose, etc. Sans aucun succès. Vous voyez, il dit sans aucun succès. Donc, oui, il n'était pas tout le temps en train de dire ouais, j'ai gagné, je l'ai guéri, etc. Non, sans aucun succès. Bien qu'elle fût une excellente somnambule. Un jour où elle est entrée en chancelant dans la pièce, un bras appuyé sur celui de son père et s'aidant d'un parapluie dont le bout était déjà fortement usé, je m'impatientais et je lui criais pendant l'hypnose. Ça suffit comme ça. Pas plus tard que demain matin, votre parapluie se cassera dans votre main et vous serez obligé de rentrer chez vous sans le parapluie. Désormais, vous n'en aurez plus besoin. J'ignore comment je puis être assez bête pour chercher à suggestionner un parapluie. J'en eus honte ensuite et ne soupçonnais pas que mon intelligente patiente se chargerait auprès de son père, qui était médecin et assistait à la séance, de mon sauvetage. Le jour suivant, voilà ce que me raconta ce père. Savez-vous ce qu'elle a fait hier ? Nous nous promenions sur le Ring, qui est le boulevard de Vienne donc. Tout d'un coup, elle devint d'une gaieté exubérante. Et la voilà qui, en pleine rue, se met à chanter. Chanter « Nous vivons libres », une chanson qui s'appelle « Nous vivons libres ». Elle bat la mesure avec son parapluie et frappant le pavé et brise son parapluie. Elle ne soupçonnait pas le moins du monde qu'elle avait, avec autant de malice, transformé une suggestion stupide en une suggestion brillamment réussie. Comme les encouragements, les injonctions et le traitement hypnotique n'avaient pas amélioré son état, je me tournais vers l'analyse psychologique et exigeais de savoir quelles émotions avaient provoqué l'apparition de la maladie. Elle raconta alors, sous hypnose mais avec calme, que peu de temps auparavant, un jeune parent qu'elle considérait depuis de longues années comme son fiancé était mort. Mais ce récit ne changea rien à son état. Et la séance suivante, je fus convaincu que la mort de ce cousin n'avait aucun rapport avec cet état. Il devait y avoir eu autre chose qu'elle ne m'avait pas raconté. Elle se laissa alors arracher une unique indication, on ne sait pas laquelle, hein. Mais à peine eut-elle prononcé un mot qu'elle se tut et son père, assis derrière elle, se mit à sangloter amèrement. Je n'insistais évidemment pas davantage et je ne revis plus jamais ma malade. Voilà. Je ne le commande pas, hein. Je vous laisse tel quel, parce que c'est un merveilleux petit texte quand même. Hein. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Donc je vous retrouverai le 10 décembre.